Thank you.
Système vital, diffusion d'oxygène nulle.
C'est l'unité d'énergie de l'ascenseur. Les étapes. Il veut que je suive les étapes. Étape 1, pénétrer dans la machine. Strauss, du calme. Il vous fera pas de mal. Il veut que j'aille dans la machine plurilac. Je peux pas. Elle y est. Elle m'attend. Strauss. Mon Dieu. Strauss, écoutez-moi. Vous devez continuer. Vous pouvez aller au train? Vous le pouvez? Il arrive.
Isaac, il est parti. Écoutez, les étapes peuvent détruire le monolithe. Étape 1, remplis dans la machine obscure. Et étape 2, les vis. Les vis, serre fort. Je comprends rien. Oh mon Dieu, il revient. Non ! Non, 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 non ! Allez, venez déguster!
quelle merde! Vous voulez un morceau, hein? Venez me chercher un peu! Viens un peu si tu l'oses! Allez, viens un peu par là! Qu'on parle, tu restes où tu es. Bien, mes béotrices, je suppose. Le dernier qui m'a dit ça a cherché à me tromper. Du calme, je vous ferai pas de mal. Ouais, t'as bien compris. Tu essaies, t'es mort. On est parti du mauvais pied. Moi, c'est Isaac. Ellie. Tu cherches quoi, Isaac? Eh ben, j'essaie de rejoindre les transports pour aller au siège du gouvernement. D'après toi, qu'est-ce qu'on essayait de faire, au juste? Je pourrais vous aider, si vous voulez. En restant ensemble, on aura plus de chances que ça marche. Vous croyez pas? Pas question, Isaac. Les partenaires, ça a tendance à me ralentir. Je vais déverrouiller la porte, mais après ça, tu te débrouilles seul. Et s'il te plaît, ne me suis pas, ok? Ok? On est dans le même camp! Thank you.
Oh,
Thank you.
On a un survivant. Vous vous connaissez à entendre ce qu'il raconte. Isaac, j'ai dit pas bouger. Ellie, pas de panique. Il s'appelle Strauss. Je le connais. Il a l'air folle dingue. Ne crois pas. Tu restes tranquille. Ellie, j'ai besoin de lui vivant. C'est important. Merde. Ok, Isaac. L'emmène au transport, mais qu'il fasse un geste suspect, un seul. Et je le désingue.
Salut, Isaac. Génial. Déjà que c'était l'enfer pour survivre. Je me suis déjà enfui ce matin de cette installation de la compagnie. Tu bosses à la CEC ? Pilote de classe 4, engin lourd. Et toi ? Ingénieur. Geek. Logique. Merde. C'est noir. Il me voit dans le noir. La ferme, ça ira, c'est le courant qui a sauté. Ça va pour vous, là-haut ? Non. Merde, les systèmes vitaux sont coupés. C'est pas bon. Nos deux derniers évadés, Clark et Strauss. Ce n'était qu'une question de temps avant que vous n'arriviez à la centrale ensemble. Mais hélas, le train ne circule plus. Vous êtes malade ? Vous avez coupé tous les systèmes ! Et il y a peut-être d'autres survivants ! Le secteur public n'est plus récupérable depuis longtemps déjà. Et vous laissez fuir la réponse. Au revoir, Clark. Tu vas bien ? Je crois qu'on est tranquille, pour l'instant. Pourquoi Tideman a coupé le courant ? Comment t'as fait pour l'énerver à ce point ? Ellie, tu sais ce qu'est un monolithe ? Ouais. Les unitologues de l'équipe étaient obsédés par ce truc-là. Pourquoi, il existe vraiment ? Oui, il existe. Tideman l'a construit d'après les codes, emmagasiné dans ma tête et celle de Strauss. Tout ce qui arrive sur cette station, c'est la faute de ce monolithe. Je dois le trouver et le détruire. Et j'ai besoin de Strauss pour y arriver. T'es bizarre comme mec, Clark. Tu m'aides, oui ou non ? On est sur le point d'étouffer. Alors, ouais, tu ferais mieux ? Ok, super. Bon, il faut du courant. Sinon, pas de train et pas d'oxygène. La Méduse doit bien avoir des générateurs d'urgence. Oui. Elle a un complexe solaire. Mais ça fait des années qu'il a pas servi. Ok, très bien. Alors je me rends là-bas. Je vais voir si je peux les activer pour le train. D'accord, mais t'auras besoin de quelqu'un pour ouvrir les panneaux. Je sais faire ça. Ah!
Why?